J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bon, vous entendrez sûrement la voix de Axdrak, dit Axel, mon neveu, derrière, parce qu'il veut absolument faire des petits commentaires sur mes vidéos, s'il aime, s'il aime pas. Donc, on va le laisser faire comme ça, il me foutra la paix. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer... Voilà, c'est de l'occasion, c'est pas des vrais... Enfin, elles sont pas neuves. C'est des box à l'effigie donc de Ivelta et de hop de Mega Léviator, non de Léviator tout court, en shiny. Je les ai eues toutes les deux pour 20 euros, donc ça faisait 10 euros la boîte. Donc avec les cartes X qui sont en bon état, elles sont pas mal du tout. Voilà. Et du coup dedans on a les boosters. Par contre, ils ont déjà été ouverts. Donc est-ce qu'on va avoir des bonnes pioches ou pas? Le garçon à qui c'est un petit garçon hein, qui me les a vendus, à qui je vais acheter, je lui ai demandé s'il avait remis les cartes comme il les avait trouvées, il m'a dit oui, mais bon, on est tous d'accord, ça m'étonnerait qu'on ait des ultra rares. Logiquement il les aura gardés pour lui. Donc on va commencer par Ivelta, parce qu'Ivelta, j'adore ce Pokémon. Il est shiny. Et non, il est pas shiny Ivelta, Axel. Il est comme ça Ivelta, il est rouge. Oui mais shiny il est rouge et blanc. Mais non, il est pas shiny. Si, si, si. Bon, ben, vous nous direz dans les commentaires s'il est shiny ou pas. Voilà la carte. Donc, vous voyez, elle est en bon état, franchement. Il n'y a rien à dire. Hein. Et c'est une vraie. Hein. Voilà. Elle est vraiment en bon état. Derrière, il n'y a pas de points. Donc, franchement, j'ai fait plutôt une bonne affaire. Sachant que cette carte toute seule, on en a quand même pour un certain prix. Donc, voilà. Et puis... comme ça au moins on peut s'amuser un petit peu avec, avec des boosters, même s'ils sont déjà ouverts. Je sais pas si c'est dans lui ou dans l'Eviator, il y en a un qui n'est pas ouvert, donc on pourra avoir une surprise. Si, ils sont tous sous... Non, il est... si, il est ouvert, il est ouvert, il est ouvert. Bon ben là ils sont tous ouverts, bon je crois que c'est dans l'Eviator alors qu'il n'est pas ouvert. On verra bien. Donc en illustration, par contre il les a très bien ouverts. Donc du coup les illustrations sont intactes, donc c'est super. Donc on aura le Mega Scizaiox Rupture Turbo, le Volcanion en offensive vapeur, Impact des destins de, je l'avais sur le bout de la langue à l'instant, Axel. Gooplin. Merci, Gooplin. Et du coup encore la Rupture Turbo de Mega Scizaiox. Donc on va commencer par lui. Qu'est-ce qu'il va nous avoir mis dedans? Lien spirituel, non mais oui. Ok, plutôt pas mal. L'énergie fée, le Noacier. Chlorobulle, non, je ne fais pas de 1, 2, 3, 4, 1, 2 ou de 1, 2, 3. Vu que du coup, ça a déjà été ouvert, je pense que même si on a des holographiques ou autres, ça peut être très bien mélangé. Donc au final, ça sert à rien de nous faire nos petites zigouigouis, ça sert à rien. Umbrilex, j'aime beaucoup ce Pokémon, je le trouve très mignon et son évolution finale est juste géniale. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas sur Pokémon Go. Ceux qui l'ont, dites-le moi et vous ferez des jaloux. Voilà. Je l'ai même pas croisé, c'est pour vous dire. Oui. Un Lamperoi en... Toujours pas Full Art, je n'ai toujours pas trouvé le nom. Mais ce ne sont pas des Full Art. Pas du tout. Un Majaspic en Reverse. Oui, donc ça nous fait déjà deux Reverse dans le même paquet. Donc je pense qu'il a dû mettre ses doubles en fait. Un Drascor. Un Terrakium en holographique. Donc c'est pas mal du tout. C'est bien. Ouais, on a eu une bonne pioche, puis elle est en bon état. Donc... Oui. C'est une bonne pioche, ok, on la met de côté. Et un Smogo, c'est une commune. Voilà, hop, on va continuer avec du coup le Goupelin Impact des Destins. Impact des Destins, ouf, faut arriver à parler Valou, faut arriver à parler. Allez, on est reparti avec encore un Drascor. Timmy, Dame du Centre Pokémon, Meios, Fossil Nautil Ammonita, Coquillasse, Grenousse, Hyperball, Opermine, et une énergie feu. Terminé sur une énergie, c'est pas cool. Suivant, le Volcanion offensive vapeur. Est-ce que le méga Volcanion va nous porter chance? Alors attention, quand je dis méga Volcanion, il n'y a pas de méga évolution sur Volcanion, c'est juste que c'est un très bon Pokémon, donc je l'appelle le méga Volcanion, tout simplement. Valentin, fais pas tomber la caméra, merci. On commence avec un Farfaduvet, avec un Ramboum, un Insolourdo, un Ratatatata, un Vostourno, une énergie fée, oh, un Lugia
en holographique. C'est super. Merci beaucoup à toi si tu regardes ma vidéo, petit. Je ne sais pas ton nom, je vais t'appeler petit. Parce que du coup, ça me fait déjà deux holographiques et je ne les avais pas, vu que je n'ouvre pas du tout de rupture turbo, d'offensive vapeur ou trucs comme dans ces eaux-là. Donc, franchement, merci beaucoup à toi. Ça me fait un grand plaisir. Le miaouz de la Team Rocket qui est censé nous faire peur, mais qu'au final est trop mignon, on a envie de lui faire des gros câlins. Ouais. Un chuchemur et un ronflex. Et les gens derrière sont paniqués. Oui. Pourquoi? On ne sait pas, mais retournement. Peut-être pas. Ben, je sais pas. Où il avale? Ben, je sais pas. Ah, bah, ben, je sais pas, mais ils sont paniqués. Je sais pas ce qu'il a fait encore, mais il panique. Hop, et du coup, on va terminer cette vidéo par la rupture turbo de Mega Cisaiox. T'es ouvert ou t'es pas ouvert, toi? Si, t'es ouvert. Mais comment il a fait pour prendre les cartes comme ça, lui? Moi, j'ouvre, hein, je suis obligé, sinon je casse tout. Sinon, je casse tout. Oula! Celle-là, elle a morflé un petit peu, hein. J'ai pas. Oh là là! Oh là 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 là. Non. Un Suicune! J'aime bien Entei Suicune et Raikou. J'adore. Les gens Bon, de toute derrière. façon, faut savoir, c'est une rare, et faut savoir que, je vous le redis encore une fois, mais tout ce qui est les Arcanins, les Lugia, les Suicunes, les chiens, tout simplement, j'aime, donc voilà. Un petit Strassi, une énergie feu, un cri 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 cri, j'y arriverai toujours pas, Ambrilex dans une autre forme, donc c'est super. Un Fulguris, ok, en rare, super, merci beaucoup à toi encore une fois. Un Snubbull. Un Reshiram en reverse. Mais merci encore une fois. Franchement, cette pioche est géniale. Si ça continue dans l'éviateur, on n'aura que de la merde. Hein, je vous le dis clairement. On aura un Capidextre. Et un. Oh, trop bien! Un Raichu en reverse avec des ballons dans la main. J'adore. Oh, je suis trop content. Merci beaucoup. Ok, c'est une pioche de malade. On n'a pas d'ex, hein, bien sûr. Mais à part la Yvelta. Mais je suis super content. J'ai eu que des cartes superbes, enfin de superbes cartes. On va parler la France, ce sera mieux. Mais franchement, on va faire juste un petit résumé vite fait. On aurait dit que le Raichu est sorti de la fête foraine. Ouais, ben c'est ça en fait. Il a été sur les quinconces et puis voilà. Ouais. Donc on aura eu un Raichu en reverse, un Reshiram en reverse, un Fulguris en rare, un Suicune en rare, excusez-moi, un Lugia en holographique. Et un Terrakion en holographique. Donc, je sais pas vous, mais moi, j'essaye de vous les mettre là. Moi, je suis super content. Attendez, j'enlève tout ça là. Moi, je suis super content. J'ai eu que des Pokémon que j'aime bien. Donc, moi, ça me va. Voilà, je vous les mets tac, tac, tac. À savoir que j'attends mon nouvel ordinateur. Bon, je vous mets l'Yvelta par-dessus. J'attends mon nouvel ordinateur et ma nouvelle caméra parce que là, ben, je fais mes vidéos avec mon téléphone. C'est pas tip top déjà pour les prises de vue. C'est pas tip top parce que le pied pour mon téléphone est limite cassé. Donc, c'est un peu de traviole. Donc voilà. Mais dans pas longtemps, j'aurai tout ce qu'il faut. Donc on sera super. Et du coup, on aura des lives. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez retrouver sur les lives, si vous voulez des chasses de shiny, si vous voulez juste en fait qu'on fasse le jeu Pokémon Lune, parce que du coup le soleil, ben, moi je l'ai déjà fini. Ou si vous voulez retrouver d'autres jeux. Voilà, parce qu'en ce moment, avec ma famille, on joue beaucoup au Pikmin. Donc si vous voulez voir des duels de Pikmin, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous dire ça et on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Je vous fais plein de poké bisous et on se dit à très vite pour l'ouverture du Léviator Shiny. Bye tout le Bye. monde!